Bonjour et bienvenue à Palissadeland. Comment ça, nous ne sommes pas à Disneyland? Ah bah si, parce que derrière il y a Space. Un petit côté steampunk comme ça. C'est pas fou. Donc aujourd'hui nous... Bah tiens, il y avait deux trucs condamnés à Orbitron, mais là aussi ça marche pas. Ah, il condamne hein. Ah, et deux à la suite là. Ah, il y a tout qui fout le camp dans ce moment. Donc aujourd'hui nous sommes deux. Oui, ça faisait longtemps hein. Deux à constater l'ampleur des dégâts. Oh putain, bah, mais c'est pour notre plus grand confort. Exactement, comme c'est indiqué, je ne sais pas où sur la palissade, mais c'est marqué quelque part. C'est vrai, pour votre plus grand confort. Voilà, c'est-à-dire que toi, il faut que tu aies des nouveaux trains si tu veux respecter ce panneau. Exactement. Non, il n'y a personne là. Regarde la taille du cadenas. Ça, c'est pas du petit cadenas. Ça, c'est pas le cadenas où tu mets un je t'aime sur le pont des Arts à Paris. De toute façon, ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés, bah oui, parce que sinon ça s'écroulait. Hey, t'as vu, ils ont même intégré des lampes dans les palissades. Il y a des lights. Choses bien ici à Disneyland Paris. Et donc Hyperion est en période de transition. Oui, et d'ailleurs pour ceux qui veulent bouffer à Discoveryland, ils ont rouvert le Buzz, le restaurant. Vont-ils avoir du jaune Hyperion? Non. Vont-ils avoir, je sais pas. En tout cas, vont-ils bosser? Oui, parce qu'ils sont là d'ailleurs, on les voit. On les voit, ouais, ouais. Ça bosse chez Hyperion. Ah la vache, ouais. J'espère qu'ils vont refaire le ballon. Ah, du soleil, tiens, ça fait du bien. Ah, oui. Alors, est-ce qu'on passe dans ce chemin de tout fait de palissade? Ouais. Je sens que... Si tu veux une vue sympa sur Space Mountain, il faut aller au Railroad. Ah, c'est le seul endroit où là, il n'y a pas de palissade autour de Space d'ailleurs. Le seul endroit où Space n'est pas en réhab. Donc cette partie là, c'est là où il y a le... C'est là où il y a le hors-se-chou, bah le hors-se-chou sera toujours là. Hein. C'est là qu'il est. Oui, il est par là le hors-se-chou. On reconnaît le fan. C'est ta première attraction que t'aimais bien, Space. Je continue à le dire malgré les critiques qu'on peut lui faire, ça reste l'attraction qui m'a fait devenir coaster fan. Hein. Ça ne pourra pas changer. Elle est calme cette attraction. Bon, elle était faite 1000 fois, j'ai aucun mérite. Oui, exactement, c'est pour ça. Ah la vache. Et il fait froid, donc on va pas filmer très longtemps parce que sinon je vais avoir un glacement à la place des mains. Ouais. Alors là, par là-bas, ils ont fermé un moment de toute façon. Hein. Ouais, en plus. L'ancienne file passe-passe, enfin, je dis ancienne, mais bon, on verra bien. On verra bien, oui. Rocket Café. Space en contre-jour. Ah, y a pas à dire, il est bien fermé. Ouais. Et comme ce train-là ne tourne plus, on va prendre ce train là qui est certes moins palpitant mais qui va beaucoup plus loin. Oui, qui va beaucoup moins vite aussi. Bah, oui, c'est ce que j'ai dit avant. Hein, ouais. Bon, les gouttières ne tombent pas, c'est déjà pas mal. Non, bah je pense qu'ils vont faire en sorte qu'elles ne tombent plus d'ailleurs. Oui, c'est par contre ça qu'on voit qu'il a besoin vraiment d'un bon coup de peinture. Hein. Et un coup de Karcher aussi. Ouais, c'est pas... Il est poussiéreux là, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, la ligne de Mickey par contre il apparaît pas là. Non. Promenons-nous dans les bois pendant que le train n'y est pas. Sauf qu'on est dedans. Eh ben oui, voilà. C'est ça le problème. Et on fait des souvenirs parce que c'est tellement rare. Et là derrière, ben, on voit rien. Je vais essayer de chipper la machinerie, moi. Et pchut! Vous avez des problèmes avec votre machine à fumer? Ouais. Achetez-vous une loco. Mais ouais, ah bah t'as les sous quoi. Peut-être pas. Ah putain, on arrive déjà à Main Street. Ça va vite. Ça va très vite. Par contre la frontière ça sera plus rapide. TLH. Ouais. Tout ça pour faire le tour du parc pour aller à Fantasyland. Pour ensuite aller à Pirate. C'est ça. Non, et puis peut-être pour voir un peu l'état de frontière. Merci. Oh zut, j'ai oublié. Il passe par Frontierland, mais il s'y arrête pas. This is Frontierland. Référence Chevalier Las Palais. C'est ça. Effectivement, on ne s'y arrête pas. Et on va pas à Pau. Hein. Non. De toute façon, on n'a pas de pot de départ à fêter. Là là. Sauf si celle pour ta blague. Ah, c'est vraiment pas de pot. Ah non. Merci de rester assis correctement. Please sit down. Thank you. Sit down. Ah, on s'arrête, mais on va pas descendre. Oui, parce qu'ils font la plein de. Ah oui, c'est pour ça. Il faut de l'eau. Ici, nous avons la place d'installer un BM. Peut-être pas un BM, normalement. Peut-être pas un BM, hein, malheureusement. Attention, on va passer dans un tunnel. Ah bah, je passe dans un tunnel. Je peux plus vous entendre. Ouais, et on va voir les pirates. Non, on voit plus rien. Écho. Il fait tout noir. Où sont les pirates? On les voit pas du tout. C'est pour ça les pirates ils sont là. Ils sont là les pirates. Et on approche de la lumière. Ah, c'est air comprimé encore. C'est froid. Moi ça va. Ah bah c'est le temple du péril, hein. Faut accepter de perdre les doigts. Mais il y a combien de trains là? 3 je crois. C'est pas beaucoup hein. Connaissez-vous cet endroit? Non. Bon. Ah bah non, ça me dit rien du tout moi. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? C'est un hard rock café. Je sais pas ça. Non, c'est Rock'n' Roller Coaster avec au passage dédicace à Clément Coasterfan qui avait trouvé la bonne réponse à la question dédicace. Effectivement, ce sont les Imagineurs Disney qui ont voulu concevoir Indy, c'est Intamin qui a fait le layout et c'est Giovanola qui a sous-traité. Voilà. C'est complet comme question. Et encore, on pourrait rajouter des précisions. Intamin a pris un layout de Pinfari, les freins sont façon Gerstlauer-Schwarzkopf, mais bon. Version d'origine, parce qu'aujourd'hui. Mais bon, ça, ce sont des détails. Ce qui compte, c'est vraiment les Imagineurs, Intamin et Pinfari. Mais là, nous sommes dans un Vekoma, avec des rails Vekoma, sous-traité par Vekoma, conçu par Vekoma. Tout est Vekoma ici. Voilà. Alors ici il y a des grosses barrettes LSM. Alors je vous rappelle que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un LSM, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les lots. Et un Sun Tracker violet sur le layout de Rome. Le violet. Et je crois qu'il n'y a pas de fumée. C'était quoi cette couleur? C'est rock. Et il y a le vert après. Donc ça c'est très. Ah mais il y a des très bonnes couleurs. C'est parfait. Ah moi mettez-moi un violet ou un vert. Ah il perd pas de temps. Yeah, sounds good up there. C'est un tracker prêt pour le lancement. Oui. N'importe quoi. Oh, what you tripping on it? What did you say? Et il y a encore. Voulez-vous connaître le temps d'attente de la tote? Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert dans le sens, oui, c'est ouvert effectivement, mais non, là c'est ouvert. Il n'y a pas de temps d'attente, c'est conceptuel, je sais pas. Bref. Mais de toute façon, ce n'est pas à la tote que je vais, donc je ne pourrai pas expérimenter ce temps d'attente ouvert. Absolument pas chiffré. Non, je vais vers Ratatouille. Appelle-moi Jacques, le beau Jacques. En tout cas, je ne sais pas s'il est beau, mais il rend les choses belles puisqu'il nettoie. Moi, je le vois toujours avec un accent italien ou je sais pas quoi. Il fait les ménages. Non, ça c'est portugais. Ouais, ça me parle bien ça. Non, non, il n'y a pas de cliché dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de cliché dans cette vidéo, aucun. Voyons, c'est certifié et tout. Non, c'est pas rock. Ah, qui faisait le chien avant. Oh oh, l'otarie. Oh oh. Voilà. Cette vidéo est vraiment devient du grand n'importe quoi. Ah bah c'est une journée. Pas de tête, ça me posterait plus. Faut commencer à descendre et puis. En fait, on aura fait l'essentiel du dégât. Ouais, c'est ça. Okay. Et la plus frigorifiante, c'est Big Frozen Mountain. Ah, BF. Voilà. Allez, on sait ce que ça veut dire maintenant. Ouais. On nous avait menti, ce n'était pas. Ça, les c'est parti pour plus avoir de doigts parce qu'il fait très froid. Plus rien. Bah parce qu'il y a quelqu'un qui... Oh. Aïe aïe aïe. X A. Il y a des gens qui se très fort, j'ai l'impression. Hein? Il y a des gens qui se très fort, j'ai l'impression. Oui. Ou alors c'est de l'audio. Ah, j'ai froid. Oh, putain, il y a de la glace partout. Libéré, délivré. Glass time. Oh putain. Wouh. Ah ben on va être punis sur la photo. Hein. C'est ça. Oh putain, c'est l'heure des apéricules, il y a déjà les glaçons. Caché que la Terre avait des réserves de méthane gelé. J'ai eu peur, non j'ai pas eu peur, j'ai eu un moment de bonheur. Le coaster est froid lui aussi. Ouais. Très très froid même. Aussi tranquille. Bon, il a bien compris, pas de petite bébé. Oui, c'est pas ici qu'on va être en panne. Hein. Non. Sinon soit le C, soit la basket. Sinon on peut pas sortir là. Ah putain. C'est le train de la mine. Elix. Ça va le gabarit est là. Ah ici tout va bien. C'est pas Thunder Mountain mais c'est World. Regarde. Alors là il n'y a pas de glace. Et là il y a le train. Et il y a de la glace. Et il y a le train qui est passé dans la glace. En même temps j'ai envie de dire le Titanic. Oh putain mais le Titanic il a la même état que le train. Cette explosion ne nous a même pas réchauffé. Même pas. Il reste un espoir. Ah, il y a les workslide à space, comme c'est bizarre. C'est bizarre. Il est venu seulement, mais là. Oh putain alors. Ah, c'est pas... se serait arrêté là, ça aurait été vraiment drôle. Eh, c'est vidé, hein. Et il y a des lumières sur les côtés. Ce que je propose, c'est qu'on aille faire un truc au chaud. Buzz. Ouais, ça fait vraiment un peu buzz. C'est au chaud, mais je sais pas. Oui, buzz, POTC, BPM, tout ce que tu veux. J'ai bien envie de faire buzz, ça va me réchauffer les doigts. T'as envie de faire un meilleur score que tout à l'heure. Oui, parce que mon laser était pourri. Voilà. C'est clair. On fera peut-être un dernier BTM de nuit et on se rentrera au chaud avec une pizza. Une pizza, il faut la pizza. Et une soupe pour moi. C'est essentiel. Que papy, il a besoin de sa soupe. Et ben ça y est, on a le 101. Ah non, pas ici. Ah non, c'est qu'un tour, c'est à lui toute la Et nous sommes sur le chemin du retour parce qu'il fait froid, donc on ne va pas rester. Oh là là, les références là, non mais ça va de plus en plus loin. Qui regarde Pokémon ici? Bah, qui regardait Pokémon. Oui, d'ailleurs, encore une fois, il y a une référence à Pokémon dans Borderlands de Presse École. Ouais. Ben voilà. Alors, attrapez-les tous. Sinon, nous passons devant ceci. Ah, enfin, magnifique réhab d'ailleurs, hein, Main Street Transportation. Parce que pendant longtemps, ce truc a été bâché en fait. Et voilà, ça m'a bloqué ma question dédicace. Il l'avait préparé depuis longtemps. Ah, bah, ça fait donc là, il va pouvoir la sortir. Attention, ça va exploser tellement c'est sous pression. Ah, bah, ouais, je veux pas que je donne la réponse non plus. Non. Mais pose la question. Filme bien le bâtiment. Voilà, filme le bâtiment. Sa largeur. Ouais, bah. Donc en fait, ce bâtiment a été inspiré par un autre bâtiment qui vient de Disneyland California. Je vous dis pas lequel parce que je te lançais la question. De quel, bâtiment, de quel ouvrage a tiré son inspiration Main Street Transportation de Disneyland Paris, parce que c'est vraiment un bâtiment unique à Disneyland Paris celui-ci, et donc il a vraiment été inspiré directement par quelque chose, un bâtiment venant de Disneyland Californie, Anaheim comme vous voulez, Resort, enfin voilà. Donc dites tout simplement lequel. Quel bâtiment. Voilà, quel bâtiment. C'est un nom de bâtiment qu'on veut. Il n'y a pas besoin de... Regardez bien, voilà, il y a quelque chose qui ressort quand même quand on voit un bâtiment, quand on voit quelque chose de Disneyland Californie, voilà. Eh ben bon courage, nous on se rentre parce que j'ai froid. Oui, moi je suis gelé. J'ai faim. Aussi, la pizza nous attend. Ah ouais. Une vraie pizza. On a chemin bis qui nous attend là-bas. Oui, bon ça encore à la limite, c'est pas grave, la voiture sera chauffée. Non, parce que c'est fermé. Oui, c'est vrai, c'est fermé. Voilà, donc oh, on est mieux au chaud, ça fait du bien. Oh la vache, et ben en plus la voiture derrière t'illumine. Ouais, je pense qu'elle va vouloir me doubler. Un Dinrel brillant. Eh ben qu'elle double, on n'est pas pressé nous. Ah, lui il l'est par contre. Ah bah, et qui suivent la ligne blanche, hein, il n'a pas le droit normalement. Hein. Ouais, mais entre la théorie et la pratique, est-ce que les gens respectent la part? Écoute, t'étais à 70, là c'est bon. Hein. Là je peux accélérer. Voilà. Hein. D'ailleurs lui aussi il en profite. Eh bah, qu'il accélère. Alors, CZ 561. Chut. J'ai pas dit les deux dernières lettres. CZ, c'est parce qu'il est tchèque, voyons. Là, non, c'était un 75. Un parisien. Je pense que ceux qui se mettent 75 avec les nouvelles plaques, ce sont les vrais. Les vrais parisiens. Sinon, ils mettent souvent d'autres plaques. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Ah ouais? Oui, il me semble que tu payes un supplément quand tu mets pas ton département. Non, mais bon, ça, c'est des choses, je suis pas sûr non plus. Quand je demande à mes parents, ils ont 3 bagnoles. C'est ce que j'ai entendu. Bref. Enfin bref, voilà. Donc, nous avons enfin fini la journée. Bah enfin, très bonne journée, hein, mais... rien à dire. Hein, enfin, retrouver le chaud, la chaleur. Parce que faut dire, ce qui était, il faisait un petit peu froid. Ah ouais, non, rien que pour rejoindre le parking, là... compliqué. J'avais le visage qui se figeait, hein. J'ai ressenti ce que quelqu'un se... Voilà, j'ai du mal, tu vois. Et... J'ai trop figé là, mais oui, mais c'est ça en plus. J'ai ressenti ce que quelqu'un avait en passé. Oh là, non mais là c'est le cerveau qui bug. Alors là, on ne peut plus rien. Ah, on ne peut plus rien y faire. Il faut m'abattre, il faut m'abattre. En gros, j'ai ressenti ce que quelqu'un avait fait avec du botox. D'accord. Une chirurgie esthétique, figée de partout là. Ah, j'avoue. Ça t'anesthésie complètement. En fait. Ah ouais, non mais c'est ça, ouais. Ou quelqu'un qui se faisait anesthésier les dents, comme toi. Moi je parlais, voilà, moi je vais faire enlever les 2 dernières dents de sa veste. Ah la vache. Je suis préparé. Ah bah voilà, on aurait pu te les enlever direct là. Franchement. Ça aurait été réglé. Voilà, j'ai quand même envie de pouvoir mâcher ma pizza moi, donc... Et puis Rock était... Rock, non. Space était fermé, on pouvait pas se réchauffer dans Space. Ah ouais, bon on a fait Buzz. Et on a fait Rock. Avec un laser de merde qui ne marchait pas. Ah ouais, non mais moi je sais pas ce que c'était, mais moi j'avais un... un truc pas précis du tout. Ouais. Que bah t'as quand même eu une cible cachée, hein. Oui, bah c'est parce que la première remarche. Ouais. Oui, parce que la première cible cachée remarche. Hola, oyez, oyez, brave gens. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais j'étais pas sûr. Là, bah là, t'as eu, tu l'as eu, donc. Eu la confirmation. Elle remarche. Elle marche très. Et l'autre marche toujours. Oui, mais là, parce que je l'ai eu ce matin, moi. Parce que là, l'autre, moi, mon laser, il allait pas jusqu'à là. Donc, forcément, et vu que moi, mon laser marchait pas, bah j'ai fait des photos. Je me suis occupé. Donc bon. Bon bah écoutez. Rentrons joyeusement. Oui. Joyeusement comme la musique d'ailleurs. Voilà, je laisse écouter. C'est très joyeux. Eh oui, oui, c'est un des 7 nains d'ailleurs. Ah, la musique n'est pas un nain. Mmh, c'est là-dedans. Il n'y a pas grincheux. Donc bon, en tout cas, s'il y avait un nain qui devait exister, ça serait affamé là. Parce que... tous les deux là. Oh, la pizza, là, limite on voit des pizzas dans le ciel tellement la faim. Ah, c'est pas les étoiles là. Non, c'est des pizzas. Ah. D'accord, bah écoutez, il est vraiment temps qu'on rentre. Hein. Et bah sur ce, bah je reviendrai quand je reviendrai. Oui, exactement. C'est-à-dire, bah je sais pas quand. Ne vous inquiétez pas, il ne s'en va pas définitivement non plus. Hein. Sauf si, mais pour des raisons professionnelles on va dire. Ça sera même pas, mais je reviendrai quand même de temps en temps, hein, mais faut que je m'habitue au froid on va dire. Ah, alors, ça c'est autre chose. Hein. Voilà, enfin voilà. Mais j'aurai un magnifique parc à côté, c'est pas grave. Oui, c'est sûr. Enfin bon, c'est pas fait, on verra bien. Donc, eh ben écoutez, à bientôt. Hein, see you later. Et moi, je vous dis à plus. Voilà. À ce week-end, si tout va bien. Ce week-end. Apprendre à parler cosplay. C'est quoi déjà le thème? Ah, tu dis pas. J'ai oublié alors. Ah si, ça y est, mais chute. Eh ben, vous verrez bien, voilà. Allez. À plus.